Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos de l'image des puces de décryptage. Alors avant de vous présenter tout ça, je tiens à faire une grosse dédicace à Dr Pepino 59, je mettrai sa chaîne en description car c'est lui qui m'a tenu au courant qu'il y avait l'image complète qui avait été leak par Fortnite, je sais pas quoi. Donc grosse dédicace à lui, je mettrai sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il a fait une vidéo là-dessus aussi et n'hésitez pas à aller vous abonner et liker et commenter ses vidéos. Merci à tous ceux qui le font. Alors je vais analyser l'image avec vous, mais si vous trouvez d'autres choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors ce qu'on peut déjà remarquer, c'est qu'en bas à gauche, il y a l'œil du gros monstre de Polar Peak. Alors là, il n'y est plus parce que il s'est enfoui de Polar Peak, parce que la glace a fondu, donc il a su se libérer. Et à droite, donc tout à droite, en bas à droite, on peut voir apparemment le monstre en question, avec l'œil en question aussi. Donc on peut le voir juste au-dessus, il y a plein de bâtiments détruits avec des petites couleurs roses comme ça. Donc ça prouve que le monstre est en train de détruire, que c'est bien ce monstre-là qui est en train de détruire la map de Fortnite petit à petit. Donc ça c'est un peu le mystère de la saison 9. Mais c'est pas tout parce qu'en fait on a encore un autre indice à propos de la saison 9, c'est qu'à gauche, donc à gauche du personnage et au-dessus de l'œil, il y a une sorte de petite grue avec une tête de nounours. Et en fait, cette grue et cette tête de nounours, ce serait un géant robot qui serait en train d'être créé après sur plan. Donc ce serait un peu l'histoire de la saison 9, donc le gros robot combattrait le monstre de Polar Peak. Alors il y a d'autres éléments sur cette image qui font rappeler les saisons précédentes. Donc par exemple à côté de la main gauche du personnage, donc à gauche, on peut voir qu'il y a une météorite qui va justement sur Tilted Tower. On peut voir que le bâtiment du milieu c'est l'horloge, j'ai l'impression. Donc on peut, c'est un petit clin d'œil pour dire que les météorites ont détruit Tilted. Alors un peu plus haut il y a une sorte de petite porte qui s'ouvre, je ne sais pas trop à quoi ça représente dans les autres saisons, je ne sais pas à quoi ça représente, si quelqu'un sait. Un petit peu plus à gauche, il y a une sorte d'ombre, on dirait un gros monstre, avec une petite flèche qui va vers une sorte de fusée. Donc là, la fusée, je pense que c'était dans la saison 6, il y avait la fusée qui avait traversé la map de Fortnite en utilisant des failles. Alors en parlant de failles, juste à droite, il y a encore une petite flèche qui va vers une faille. Et ça, c'est la faille qu'il y a eu dans les autres saisons. Juste à droite de cette faille-là, il y a le cube, le fameux cube que tout le monde connaît, je pense. Et à droite, encore à droite, il y a un carré. Et encore que je ne sais pas à quoi représente ce carré. Donc encore à droite, il y a une petite couronne avec une ombre en dessous. Je pense que c'est le monstre de Polar Peak. Et je ne suis pas sûr parce que on le voit avec deux yeux, je ne sais pas, franchement je ne sais pas du tout, mais je pense que c'est bien ça. Alors un peu plus en bas à gauche du petit monstre, il y a des petits avions. En dessous de ces avions là, il y a un rond et ce rond là représente Loot Lake. Donc voilà, Loot Lake avec toute la zone là qui de la saison 8, je pense que voilà, ça représente la saison 8. Et voilà, je pense que c'est tout, je pense que j'ai tout analysé. À droite du rond, il y a trois petites griffes qui représentent le monstre de Polar Peak, je pense. Et je pense que j'ai tout dit. Voilà, si vous avez d'autres informations à propos de cette image, si vous avez remarqué plus d'informations que moi, parce que je ne connais pas forcément tout sur Fortnite, donc si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas le code créateur SoiCoolMecYTB dans la boutique de Fortnite, ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui me soutiennent. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.